Bonjour. Je suis Kateb Yassine, un écrivain, poète et dramaturge algérien né le 6 août 1929 à Constantine, en Algérie, et décédé le 28 octobre 1989 à Grenoble, en France. Voilà ma biographie. Kateb Yassine, il a commencé à écrire dès son plus jeune âge et a publié son premier roman, Nedma, en 1956. Ce livre, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature algérienne, raconte l'histoire d'une jeune femme algérienne qui se rebelle contre les traditions de sa famille et tombe amoureuse d'un homme étranger. Kateb Yassine a également écrit de la poésie et du théâtre. Son travail était souvent influencé par les événements politiques de son époque et il était un fervent défenseur de l'indépendance de l'Algérie. En 1958, il a fondé le Théâtre National Algérien, qui a produit de nombreuses pièces de théâtre importantes sur l'histoire et la culture algérienne. Au cours de sa vie, Kateb Yassine a été exilé à plusieurs reprises en raison de son engagement politique. Il a passé la majeure partie de sa vie en France, mais a continué à écrire sur l'Algérie et à défendre les droits des Algériens. Kateb Yassine est considéré comme l'un des plus grands écrivains de l'Algérie et de la francophonie, et son œuvre a eu une influence considérable sur la littérature et la culture algérienne. Salutations.